Mitam, pues que pienso que el equipo con él la importancia de la victoria fue un match tres buen match, se ha ganado la cualificación por el próximo tour, que es la parte importante. Merci. Des questions? Pienso que el objetivo es la cualificación. Après de ça, c'est possible que c'est meilleur, mais tu connais pas qu'est-ce qui peut passer après le prochain match. C'est qui si l'adversaire c'est le deuxième de l'autre groupe ou le premier autre groupe, qui arrive meilleur en ce moment. Mais moi, qu'est-ce que j'ai pensé, c'est faire mon match, gagner le match, et après le match, nous pouvons savoir c'est quoi la position. C'est premier, ok, c'est bon, c'est meilleur. Mais, même avec les premières positions, les deuxièmes positions, nous devons continuer à jouer, nous devons jouer de local, de l'extérieur, de visitant, nous devons jouer pour gagner une compétition importante, tu toujours dois jouer contre des équipes importantes, de local, de visitant. Alors, tu ne peux pas choisir, je vais cette compétition jouer à notre stade contre équipe de deuxième division chaque match, ce n'est pas possible. Tu dois jouer toujours beaucoup de matchs difficiles et être concentré pour jouer de notre équipe le meilleur match. Si vous regardez les autres trois matchs dans une semaine, je pense que c'est pour l'équipe, c'est l'habitude. Je pense que notre équipe s'est habituée à jouer beaucoup de matchs. Je pense que les autres joueurs sont joueurs très compétitifs. Aussi, nous avons parlé, comme je pense que tu peux voir dans chaque match, qu'il y a toujours deux, trois joueurs qui sont dans les banques, mais qui sont joueurs qui peuvent être titulaires. Alors ça, c'est une concurrence dans l'équipe qui c'est positif pour toujours avoir 2, 3, 4 joueurs frais pour les prochains matchs. Ça, c'est important. Maintenant, commence la saison et il y a beaucoup de joueurs qui sont avec la qualité pour jouer. Et dans l'équipe, maintenant, il y a aussi une difficulté, que c'est que les joueurs que maintenant ils jouent pas, ils doivent maintenir la tête, ils doivent maintenir le travail, parce que c'est pas possible que tu joues chaque match, tu peux jouer avec 18, mais maintenant l'équipe travaille bien, il y a beaucoup de joueurs qui acceptent très bien la concurrence, l'équipe connaît qu'il y a une concurrence, et quand un joueur comme aujourd'hui Ben Khalib est dans les bancs de tous, quand il est dans le terrain, il connaît qu'il doit faire plus pour gagner la place. L'autre jour, c'est Mohsin Ayour, aujourd'hui Ben Khalib, aujourd'hui Shakir. Alors, je pense que cette concurrence dans l'équipe, c'est positif. Merci, Galito. Après la qualification, l'équipe de Raja va affronter les équipes de deuxième place. On parlera de Rayon Sport, de Rwanda, Kala Brazzaville, de Congo, ou le Master Eto Saïdi. Qu'est-ce que tu penses par rapport à ce étape et le tirage au sort? Maintenant, je pense que aujourd'hui, je te peux parler des matchs d'aujourd'hui, de le bon état de l'équipe, de le bon travail de l'équipe, de que si c'est un match important pour conseguir. Je pense que, comme déjà dit beaucoup de fois, je pense que pour nous c'est très important avoir la communion avec le notre public. Parfois, le notre public est manipulé pour beaucoup d'informations qui ne sont pas vraies. Alors, ça fait qu'il y a beaucoup de problèmes parce que le public pense une chose qui n'est pas vraie. Mais heureusement, l'équipe montre dans le terrain qu'il y a un bon travail, qu'il y a un bon effectif, que l'équipe fait le bon travail. Et je pense que avec ce bon travail, notre public sait avec nous et n'écoute pas la bêtise que se dit et regarde ce qui se fait dans le terrain, que l'équipe travaille bien. Je pense que c'est une victoire très importante pour conseguir cette communion avec le public. Beaucoup de fois, déjà dit que je connais bien le club, je connais bien Raja parce que je suis ici plus d'une année. Et je pense que pour nous, c'est très important la stabilité sociale, que le notre public est avec l'équipe, que l'équipe, que le public le donne valeur à ce que l'équipe fait, que le donne valeur à ce que l'équipe travaille toujours. C'est impossible de gagner toujours, mais je pense que l'équipe montre toujours un bon travail. Dans l'équipe, je peux dire bien clair qu'il y a un bon travail, il y a un bon travail dans les entraînements, il y a une bonne discipline. Maintenant, nous avons un effectif avec une équipe de joueurs, de personnes qui sont avec le compromis de travailler bien. Et maintenant, je pense que c'est positif
le rendiment que donne l'équipe et l'ambiance qu'il y a dans l'équipe. Et ça, c'est que nous devons travailler pour gérer cette situation de une manière positive pour conseguir le rendiment de cette équipe. No, yo mantengo, como de ya parlé, yo pensé la dernière match, en ese momento, malheureusement, il y a Esbira Solmón a la posición de arrière-gauche. C'est prévisible qu'il ne peut pas jouer toujours, parce que dans le football, il y a ça, il y a la blessure, il y a la posibilité de que un joueur de l'équipe, maintenant, je ne sais pas si c'est, je ne te peux pas dire combien de temps il peut être blessé, mais. Que es que yo debo hacer como entrenador es chercher al interior del grupo, al interior del equipo, c'est qui les joueurs qui peut jouer en cette position. Je ne peux pas parler de maintenant j'ai besoin d'un joueur, un autre. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire, c'est travailler avec l'équipe qu'il y a. Je pense qu'avec l'équipe qu'il y a, nous avons la chance de faire toujours un bon 11, malgré que Esbira c'est d'or de l'équipe. Ok. Bon. Merci. Une dernière question. La dernière. Vous avez fait des changements trop tôt. Quoi, excusez-moi. Est-ce que vous ne pensez pas que vous avez fait des changements trop tôt? Non, je pense que non. Si je pense que c'est ça, j'ai fait tard. Mais j'ai fait ça parce que je pense que c'est comme ça. C'est possible que vous pensez que si, mais non moi. Simple. Merci. Stay. Il faut rester quand même. C'est pour la casse, il faut quand même rester à côté. On va passer à Paul Tandou. On va changer les places, s'il vous plaît. Speaker. Say, when did you film the game? Okay. Why? No. Why did you film the game? Speak. Okay. Aisez-vous, monsieur Paul Tandou va faire son analyse. Oui, il va faire son analyse. Yes. No, il va d'abord faire son analyse après match. Yes, the game as champions, we did not finish well, even though we had little problems before we started. Before we played the AS Vital at home, we took two yellow cards and an injury. We went back for the returning leg. Say again. Are you the assistant coach? I'm the assistant coach, Paul Tandou, assistant coach. Yes. What's happening with the coach? Yes. I'll come to that. I'll come to that. Yes. So we went back to. My name is Paul Tandou. Paul Tandou, assistant coach, Adrian Astas. So, like I said earlier, we picked two yellow cards and an injury. And we went back for the returning leg. We had another problem. We had two injuries. And one of our players had to go. But my country, you know, is hit with a football crisis. So we're not privileged to register new players at CAF because we have to first register them through the FA. And then CAF. So we were limited with players as at hand. And just our last training before we traveled, we picked three injuries. And so. This is football and nothing we can do. But unfortunately, I think you can all see just before the start of the game, our head coach started changing attitude and the players were all down. And it was saddened. Today? Yes, today.
this affected the first half of the game. And you notice that if it is so, then the players will not be strong. Even at the recess, he decided not to even come to the dressing room at all. And for what reason? He is the best person who understands. So I must come and take over as the assistant because I cannot leave the vacuum. We will congratulate Raja for going through, because in the first round we gave them a match. But it's unfortunate. It's football, and we want to promise that next time when we have the opportunity and our league resumes, it will be a good team. Merci. Good luck. Thank you.